Bonjour, mon nom est Caroline Auger, je suis enseignante en quatrième année à l'école Marguerite Bourgeois à Pointe-Claire. Cette semaine, lorsque j'ai lu le courriel qui annonçait la formation d'une équipe pour représenter la CSMB au Grand Défi Pierre Lavoie, j'ai tout de suite voulu m'inscrire comme cycliste. Je suis quelqu'un qui est intense, qui carbure au défi et qui a besoin de ça pour se sortir de sa zone de confort, alors avec 1000 km, je crois que je vais être bien servie. Physiquement, je suis en forme. Il y a 2 ans, j'ai choisi de remettre la switch à on. Et cet été, j'ai beaucoup couru pour me préparer pour le demi-marathon de Montréal. Donc, le grand défi Pierre Lavoie, pourquoi? La cause, celle des enfants. Oui, ça prend du financement pour participer à un événement comme celui-là, mais j'ai aucun problème à demander à mes amis, collègues, organismes de la région, sortir même mes talents de cuisinière ou de bricoleuse pour ramasser les sous nécessaires. Pierre Lavoie, il me motive, il m'inspire. J'aimerais donc faire partie de son rassemblement. Pourquoi moi? Alors, j'y vais avec les 4 lettres du mot « défi ». Le D pour le dépassement de soi, la détermination et toute la discipline que ça demande. Le E pour l'équilibre, l'entraide, l'esprit d'équipe et l'énergie. Il va falloir travailler fort ensemble pour réaliser notre objectif. Le F pour la force, la fierté de participer au grand défi Pierre Lavoie et aussi la folie. Ces 1000 km, je sais que je suis capable de faire ma part pour y arriver. Et finalement, le I pour l'intensité et l'instant. Alors oui, être capable d'apprécier chaque instant avant, pendant et après. Ça fait 2 ans que j'en parle, que je veux participer à cet événement-là. Je suis prête, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même un ami physio qui m'a proposé de venir avec nous lors de ce week-end-là. Donc, pensez à moi, Caroline Auger. Je vous laisse, je dois aller pédaler pour me préparer pour ce beau 1000 km-là. Alors, merci!